Bonjour. Bonjour. Message est fait. C'est vrai que c'est assez tôt le matin. Mais il y a beaucoup d'entre vous. Vous avez besoin de ceci. Pour certains, vous avez besoin de confirmation. D'autres, ce sont des instructions. Nous sommes dans une bataille qui est réelle. Il y a la lumière, il y a les ténèbres. Les agents de lumière ont l'amour, la paix, la joie, la persévérance. Les agents de lumière veulent que leur prochain avance. Vous avez commencé un travail spirituel. Hier, les ancêtres m'ont donné pour deux personnes quand je priais. J'ai le même message qui est revenu. Il y avait ce manque de consistance. Et ce matin, je me réveille. Au même moment en France, j'ai un autre agent de lumière qui est en train de recevoir un message qui confirme ce que les ancêtres me disaient hier dans la journée. Vous ne pouvez pas vous permettre d'échouer encore. Vous ne pouvez pas vous permettre de gâter vous-même. Parce que le tout, si vous n'allez plus accuser quelqu'un, vous n'allez plus dire c'était à cause de telle personne. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez souvent donné des excuses, genre c'était à cause de mon ex-mari, c'était à cause de mes enfants. C'était à cause de, je sais pas. Ils m'ont demandé de vous dire cette fois-ci que il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. Il y a des règles spirituelles que vous connaissez, que vous devez appliquer. Bonjour la reine Bella. Jean, tu sais que tu dois payer ta dîme. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on a encore te forcé pour que tu payes ta dîme? Ça n'a pas de sens, non?
Tu sais que tu dois faire des aumônes, par exemple. Mais on doit être tout le temps en train de te rappeler. Appelle-toi des orphelins. L'esprit veut peut-être toucher quelqu'un et passer par toi. Il faut qu'on te dise 5 fois. Il faut qu'il envoie 7 voitures rouges alignées. Il faut que tu as besoin d'un signe. La maturité spirituelle demande que tu sois sensible. C'est-à-dire, j'ai une expérience qui s'est passée, ça fait. On m'a dit depuis 4 jours. On a des meubles où je viens d'aménager. Quand on coupe la lumière, normalement dans la ville de Douala, il y a le groupe qui prend la relève. Donc, hier, premier jour où on a aménagé, c'était quoi? Ce jour-là, quand on entrait ici, on avait coupé la lumière. Du coup, c'est le groupe qui alimentait. On n'était pas gêné de mettre le compteur en marche. La deuxième nuit, on n'a pas coupé la lumière. On se rend compte. Dès que je me suis rendu compte que la lumière ne marchait pas, je ne suis même pas cassé pour aller en bas, dit que j'ai laissé sur une me coucher, j'ai dormi. Avant-hier, en journée, je charge tous mes powerbanks. Et j'ai dit aux enfants, chargez les powerbanks parce qu'on ne sait pas, on peut ne pas avoir la lumière la nuit. Dès qu'on rentre, il n'y a pas de lumière. Je ne me suis même pas cassé. Donc, l'esprit m'a seulement dit, va te coucher, tu dors. Je suis allé me coucher. Hier en journée, on s'est dit, ben voilà, l'électricien est passé, on dirait 3 fois, il n'y aura pas de souci. En journée, l'esprit me dit, charge le powerbank à nouveau. Je charge. Il y a des enfants qui n'ont pas chargé. Ils n'ont pas chargé pour eux. On rentre. On a coupé encore la lumière dans la ville de Douala. Donc, c'était un endroit. La lumière donnait dans tous les appartements, sauf le nôtre. Je suis rentrée, je n'ai même pas. Quand j'arrivais, l'esprit m'a montant, c'est comme s'il me confirmait juste que tu n'as pas besoin de preuves. Et quand j'ai vu c'était comme ça, j'ai vu qu'il y avait un autre locataire qui se cassait. Il essayait de trouver comment on branche, comment est-ce qu'on reconnecte le groupe, tout cela. Je suis montée, je suis allée seulement me coucher. Bien sûr, je me suis levée à 4 heures, la lumière était déjà revenue. Et pourtant, dans tout l'immeuble, on est dans un bloc, il y a au moins 30 appartements. Donc, vous imaginez. On était peut-être deux à ne pas avoir de lumière. La piste dans laquelle vous vous engagez. Avant, il y a cela 5 ans, 8 ans, tu pouvais te permettre que l'esprit te parle, tu hésites, tu doutes. Tu te couches, tu dors. Il te dit, va faire telle offrande. Tu tardes, tu fais même 5 ans avant d'aller faire l'offrande. Tu reçois ton argent, il te dit, va payer ta dîme. Tu payes la dîme dans 4 mois. Ouais, tu tournes. Écoutez, les agents de lumière qui vont être dans la bombe, qui vont survoler, en anglais on dit thrive, qui vont réussir sans effort. Ce sont ceux qui seront inclinés. Inclinés. Donc l'esprit fait, tape, tu es debout. Tu dis, Seigneur, parle, je vais faire. Tu veux quoi? Je reste à 4h25 ou 30. Je suis constamment au sommeil. Quelque chose me dit, réveille-toi. J'ouvre les yeux. Comme la lumière était revenue, je cherchais comment brancher les powerbanks. Je branche, je vais aux toilettes, je reviens. Je voulais me rendormir, l'esprit me dit non, 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 non.
Comment te parler? Généralement, je ne check pas mon téléphone à 4 heures. Je prends le truc, je dis, prends le téléphone, je prends le téléphone. Et je vois qu'à l'instant, la dame est en train de me faire un message de ce qu'elle a vu en rêve, me concernant. Et ça confirme ce que l'esprit me disait hier soir. Écoutez, si vous ne recevez aucun message, ce n'est pas de la faute de l'esprit. Vous êtes insensible. On parle, tu dis que tu maîtrises. Tu maîtrises quoi? Demain, c'est toi qui as dit que tu as besoin de telle chose, non? Souvent, tu restes comme ça. Là, c'est peut-être que tu es en train de conduire. Tu passes à un endroit, bam, une idée te vient en tête. Je vais te dire, arrête aussi. Voilà, tu gardes. Tu pars, tu trouves quelque chose que tu cherchais depuis. Tu trouves la réponse à tes questions. Donc, quelque chose que tu as longtemps cherché. Là, c'est là où on est. Ce ne sera pas par votre force. Parce que dans cette bataille, c'est la lumière contre les ténèbres. Et il n'y a même pas de bataille. C'est juste que c'est un peu comme si tu arrives dans une pièce où il n'y a pas de lumière. Tu cherches l'interrupteur. Tu fais flip. Tu sais par la foi que s'il y a le courant dans le mur ici, comme je fais flip comme ça là, la lumière s'allume ici. Et pour vous, vous avez longtemps demandé la direction, la réponse, la lumière. Doris, c'est parce que tu es choisie que tu aimes quand je parle des choisis. Maintenant, je n'ai pas coupé mon sommeil pour venir ici là. Certains d'entre vous faites souvent les rêves où vous êtes dans un champ de bataille. Il y a les soldats. Ils sont partout et puis vous avez ceux qui vous poursuivent. Et vous vous fuyez. Vous sentez vraiment que vous êtes dans une guerre, quoi. C'est pas seulement le rêve. Maintenant, il y en a parmi vous, vous êtes censé juste influencer dans le noir. C'est-à-dire, je suis un agent de lumière que mon rôle c'est de parler. Je suis censé être sous les feux des projecteurs. Je dois être devant pour parler. Il y en a que pendant que je parle, vous m'envoyez de la lumière. Vous m'envoyez de l'amour. Vous m'envoyez. Et les choses que vous m'envoyez, ça vient me fortifier pour que je fasse mon travail. Il y en a même que vous priez seulement pour moi. Donc, de temps en temps, tu dis, voilà, je Seigneur, je fortifie la reine Jocelyne, voilà, c'est tout. Hein? Tu ne m'as jamais parlé, tu ne me connais pas, rien du tout. Vous devez comprendre que chacun a son rôle dans cette bataille. La discipline spirituelle n'est pas comme on vous a dit à l'église. Ouais, Seigneur, voilà, je jeûne, je paie mes offrandes, ouais, je paie ma dîme, ouais, je construis l'église, je. C'est pas comme ça. Tu ne viens pas devant Dieu en faisant comme ça.
La preuve, il y a un passage de la Bible où il y avait deux hommes qui se sont agenouillés. Amen, la reine Amen. Ils sont agenouillés devant Dieu. L'autre dit, Seigneur, je paye ma dîme, je paye mes offrandes. Voilà, je ne pêche pas, je ne fais pas ça. L'autre vient, il dit, Seigneur, je sais que je ne suis pas digne. Je sais. Mais me voici. Et vous devez arriver à un niveau où vous êtes convaincu que vous comptez. Si vous écoutez, vous tombez sur la vidéo aussi. Je vous annonce d'office. Vous comptez. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Parce qu'on se va dire, oui, je compte, oui, et puis quoi? Il ne s'agit pas de ça. Tu dois être convaincu. Parce que je sais que je suis agent de lumière, je sais que ce que je fais a un impact. C'est ma foi qui me permet de poser des actes. Ce ne sont pas mes actes qui me permettent qui me donnent le titre. J'ai foi dans mon titre, ça me permet de demander des choses et de faire des choses. C'est un peu comme un enfant qui sait que parce que je suis l'enfant de ma mère, ça me donne donc le droit d'entrer dans la maison, de prendre tel habit que je porte. Ce n'est pas parce que je vais venir laver le sol, je vais venir laver les marmites, je vais faire ceci, que je vais, elle va venir me dire, oh, tu es mon enfant, c'est moi qui t'ai accouché. Donc, premièrement, enlevez toute pression de votre être. Parce que le jour où tu vas échouer, bonjour le roi Fomokon. Le jour où tu vas échouer, donc tu te lèves, tu dis, je vais jeûner aujourd'hui. Tu manges à 11h. Tu dis, oh, je voulais jeûner. Oh non. Non, Dieu ne m'aime plus. Je n'ai pas jeûné, Dieu ne m'aime plus. Oh là là. C'est bon, Dieu ne m'aime plus. Dieu va me punir pendant un mois. Et ça va se voir, parce que ça, c'est l'une des armes que l'ennemi a utilisées contre vous. Ton échec dans le passé. Et là, tu vas encore revenir à Dieu avec les mêmes conditions d'avant. La Bible dit, prends les engagements que tu sais que tu vas honorer. Ne cours pas pour venir dire à Dieu, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Dieu n'en a rien à foutre de tes paroles. Mais si tu dis que tu vas faire quelque chose, fais la chose. Bonjour la reine Gamme. Certains d'entre vous, la discipline spirituelle, ça va demander que tu commences la page là. Dieu t'a mis à cœur depuis longtemps de faire une page où tu vas partager ta vie avec les gens pour que ça les fortifie, ça les aide. Depuis 2 ans que c'est dans ton cœur, tu n'as jamais fait. Jésus a dit que ta lumière brille devant les hommes pour qu'ils voient tes gouttes, tes bonnes œuvres. Et qui glorifie son Père qui est au ciel, notre Père qui est au ciel. Ce sont tes œuvres qui vont glorifier Dieu. Ce n'est pas ton jeûne. Maintenant, quand tu vas jeûner,
Tu vas comprendre que mon jeûne est différent de ma mission. C'est différent de. Donc, dans le spirituel, tu ne viens pas. Ok, j'ai fait ça, moi je fais ça. Ça me donne droit à ça. Non. C'est de la plénitude de ton âme que tu peux faire une chose. Tu ne fais pas une chose pour confirmer qui tu es. Donc la bataille est en train de se resserrer. Vous n'avez plus le temps. Il y a des relations dont vous devez sortir. Vous devez sortir de certaines relations. Il y a des personnes avec lesquelles vous êtes tous les jours, vous faites des problèmes. Vous-même, vous n'êtes pas fatigué. Chaque soir, tu es fatigué. Ton âme est fatiguée. Tu n'as pas le temps d'écouter ce que l'esprit te dit. Souvent, tu oseras dire que tu dis que I'm done with this. Que c'est même quoi ça? Demain, tu as encore du temps. Problème, chamaillerie. Certains endroits, vous devez même déménager de là. Mais tu pars dans un autre endroit, tu vas mettre la natte au sol, tu dors là-bas sur la natte pendant un mois. Mais ton esprit s'aligne à nouveau avec qui tu es. Bon, le message est passé pour les personnes qui ont compris le message. Vous n'avez plus beaucoup de temps. Vous n'avez plus beaucoup de temps. Et il y a les petits problèmes que vous avez. Pourquoi quand je rêve, je vois ces verres? Pourquoi quand je... Oh, pourquoi est-ce que... Les faux petits préoccupations des enfants, là. Grandissez. On prophétise sur toi depuis 10 ans. Tu n'as pas grandi. On interprète tes rêves depuis 15 ans. Donc depuis que tu parles de là, tu n'as jamais appris que tu peux te connecter à l'esprit. Hein? À un moment, hein, il faut grandir. Parce que la Bible dit qu'on ne peut pas confier un royaume à un enfant. Tant que tu restes enfant, c'est une autre personne qui va gérer pour toi. Toi, on ne peut pas te donner. Vous fuyez les responsabilités. Peut-être que tu vas te demander petits trucs. Désespéré. Ah, reine. Ouais. Ça fait combien de temps que tu marches avec Dieu? Ça fait combien de temps qu'il te parle? Tu veux encore le lait? On doit te donner le lait. Ne venez pas dans la cour des grands avec le biberon. Tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir un enfant avec le biberon au volant d'une voiture. Non. On m'a arrêté, on m'a dit pardon, prenez la, même si tu es un adulte, tu as le biberon dans la bouche. On va te voir avec le volant, on va prendre le volant dans ta main. Donc il est temps de grandir. Pierre Blakewood, j'ai les vitamines. Tu as compris? Si on me réveille à 3 heures, on me dit que va et dis ça. Même avec un œil comme ça, là, je vais dire ce que j'ai dit. Tu as compris? Je fais toujours attention de ne pas être trop confortable. Le confort, c'est le premier ennemi de la mission. Tu arrives à un niveau où tu es confortable.
Là où je suis, j'ai tout dans ma vie pour être confortable. Mais il y a des nuits où je ne dors même pas. Le matin, aux allergies, j'ai les seins sur les yeux. Tu es dans une bataille, tu dors. Tu cherches, oh non, il faut que je mette le make-up. Il faut que. Non, je dois. Mes sourcils ne sont pas bien. Il faut que je trace bien mes sourcils. J'aurais pu aller tracer le make-up avant de venir vous parler. Mais je pense que si tu es dans le cercueil, tout ce que je te dis là, tu en auras plus besoin que du make-up. Mon corps, c'est là, mon corps connaît déjà, que lui-même là, il a déjà affiné mon corps. Je ne cherche pas à impressionner quelqu'un. Si on me réveille à 2h, on dit, assois-toi, écoute. Et c'est ça qu'il s'agit, quand il s'agit de maturité. Parce que vous tous qui m'écoutez, vous avez des choses à faire. Mais vous êtes encore dans les petites étapes. Il faut se débarrasser de tel décepticon. Il faut enlever telle personne. Il faut quitter de tel coin. C'est pour ça que le message ne passe pas. Et si tu coupes ton sommeil tout le temps, tu ne fais pas ce qu'on te dit de faire. Bêta, tu te couches, tu dors. Parce que le but d'écouter le message, c'est que tu écoutes, tu ne pas faire. Et c'est ça votre problème. Je ne vais pas vous dire combien de personnes m'interceptent dans la journée. J'ai dit qu'il faut que je commence à marcher avec le masque. Je te suis. Tu fais quoi de tout ce que j'ai dit? Tu as fait quoi? Bon, voilà, tu sais. Voilà, tu vois. Vous pensez encore que. Vous pensez que c'est le jeu. Vous pensez que c'est le jeu. Malheureusement. Vous m'écoutez, vous me prenez constamment comme un personnage dans votre téléphone. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui sont autour de vous. Il y a des anges, des ancêtres avec vous. Il y a Dieu qui vous passe un message. Il parle dans le rêve, tu ne comprends pas. Tu ne vas plus à l'église. Il ne peut que passer par ton téléphone comme je te parle là. Mais toi, tu me vois comme la télé seulement. Certains d'entre vous m'avez vu dans vos rêves. Même. Vous croyez que je venais dans vos rêves pour rien? Donc, il manquait au parti. Je manquais ce que je devais faire. Donc, je me couche. Il faut que je parle dans le. Bon, pour rien. Je passe comme ça là pour rien dans ton rêve. Jusqu'à présent, tu le fais toujours. Tu ne fais rien. Continuez de blaguer. Ça se resserre de toutes les façons. Certains vont mourir parce que vous n'écoutez pas. Vous allez mourir très vite. Je dis ce qu'on me dit. Certains vont mourir, malheureusement, vous allez mourir vite parce que vous n'écoutez pas. Ça va vous coûter, vous allez tomber, avoir une maladie. Certains vont avoir des cancers. Parce qu'on vous dit d'épurer la lumière. Faites circuler la lumière. Vous ne le faites pas. Disciplinez-vous. Vous ne le faites pas. Vous n'aimez pas. Vous aimez seulement vous coucher. Vous, tu es couché comme ça depuis le matin. Tu prends le téléphone. Tu regardes. Tu finis. Tu déposes le téléphone. Tu dors. Tout ce qu'on dit là, non, tu ne fais rien de ça. Le confort, c'est votre premier ennemi. Et il y a des habitudes. Vous pensez que vous connaissez tout. Les ancêtres vont passer par n'importe qui. Par n'importe qui pour vous parler.
Bonne nuit.